Eyu anulwa egalwon ton leik. Eum sage du Seigneur jadi, et réveille Pierre en l'éloignant. Il y dit, lève-toi, démon. Et d'un coup, il fut son halode. Et puis l'aim sage dit, crée-toi et couche-toi. Et flotifi. Et il y dit, enfuis-toi dans ta coque et vêtons à compte main. Et il sortit, swatch-li, sans savoir si chien Clem s'agifie, tel avait dit, mais criant plus à coup qui rêvait. Après avait posé le premier gardien, et puis le deuxième, il avenge à l'utfait qui s'adonnait à la ville. Lui s'ouvrit son gré, et il lui déhalige et lui arroutige à vous une vue, et là-dessus, l'aim s'agit laissé. Pierre hervinçait et dit, « Veuve, si ça acheta que le Seigneur m'avait envié chez M'Sagi, à sa fin de m'squadi du pouvoir d'Hérode, et touchant que les Juifs ont espédé. » Comme il réalisait tout changer, il s'en allait, s'est maudit la mède à Jean, mais nommé mort, ou que Fioche déjà luttait à son bien pour prier. Il tapit à lui, et un hardel qui avait nom Rode vint ouvrir. Ouvre connut la voix à Pierre, et fut si réjoui qu'Aurin lui ouvrit lui, ouvre quoi pardon pour dire que Pierre était à lui. Il lui dit, tu gnolline! Mais où l'insistit que j'étais vrai? Il lui dit, chez son soji. Pierre, elle tapit à lui, et quand nous l'ouvrit, nous le vit, et nous fut ébésuit.